Je vous ai fait un peu attendre. Non, mais c'est que je me suis habillé aujourd'hui comme les gens de qualité. Mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Mais je vous prie tous deux de ne vous point en aller avant qu'on ne m'ait apporté mon habit afin que vous me puissiez voir. Tout ce qu'il vous plaira. Ah, vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Oui, je me suis fait faire cette indienne-ci. Oh, elle est fort belle. Oui, mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela vous sied à merveille. Laquais ! Elle a mes deux laquais ! Que voulez-vous, monsieur ? Rien, c'est pour voir si vous m'entendez bien. Et que dites-vous de mes livrées ? Elles sont magnifiques. Et voici encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices. Il est galant. Laquais ! Non, l'autre laquais. Monsieur ? Tenez, ma robe. Mais me trouvez-vous bien comme cela ? Fort bien. On ne peut pas mieux. Eh bien, messieurs, me ferez-vous voir votre petite drôlerie ? Comment ? Quelle petite drôlerie ? Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air qu'il vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. C'est un de mes écoliers qui a pour ces sortes de choses un talent admirable. Il fallait pas faire cela par un écolier ? Vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là ? Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Donnez-moi ma robe, pour mieux entendre. Attendez ! Non, je crois que je serais mieux sans robe. Non, redonnez-la-moi. Ça ira mieux. Eh bien. Ainsi, belle Iris qui vous aime, hélas, hélas, que pourriez-vous faire à vos ennemis? Cette chanson me semble un peu lugubre, elle endort. Non, je voudrais que vous la puissiez un peu regaillardir par-ci, par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. Ah oui, oh, on m'en a appris un tout à fait joli il y a quelque temps. Oui, attendez.
Comment est-ce qu'il dit ? Oh, ma foi, je ne sais. Il y a du mouton dedans. Du mouton ? Oui. Ah, voilà. Oui, Jeanneton. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que ne l'est le tigre au bois. Mais n'est-il pas joli ? Le plus joli du monde. Vous le chantez bien. Et c'est sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses. Les gens de qualité apprennent aussi la musique. Oui, monsieur. Oh, bah, je l'apprendrai donc, mais je ne sais combien de temps je pourrais prendre, car outre le maître d'armes qui me montre, j'ai encore engagé un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. La philosophie est quelque chose, mais la musique, monsieur, la musique. La musique et la danse, la musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un état ne peut subsister. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Tous les désordres et toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues des politiques et les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Comment cela ? La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes ? Cela est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas là le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle ? Vous avez raison. Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, au gouvernement d'un État, ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours « un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire ?» Oui, on dit cela. Et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne pas savoir danser ? Ah, cela est vrai, vous avez raison, tous deux. Mais c'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique. Ah, je comprends cela à cette heure. Voulez-vous voir notre affaire ? Ah oui. Je vous l'ai déjà dit, c'est un petit essai que j'ai fait autrefois des diverses passions que peut exprimer la musique. Fort bien. Je trouve cela bien troussé. Et il y a là-dedans de petits dictons assez jolis. Quand la danse sera mêlée avec la musique, cela fera plus d'effet encore. Et vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. Ah, c'est pour tantôt, au moins. La personne pour laquelle je vais faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner séant. Tout est prêt. Au reste, monsieur, ce n'est pas assez. Il faut qu'une personne comme vous, qui êtes magnifique, qui avez de l'inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi tous les mercredis. Ou tous les jeudis. Mais est-ce que les gens de qualité en ont ? Oui, monsieur. Ah, j'en aurai donc. Ah. Et cela sera-t-il beau ? Oh, sans doute. Il vous faudra trois voix, un dessus, une autre contre et une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viol, d'un théorbe et d'un clavecin pour les basses continues, avec deux dessus de violon pour jouer les ritournelles. Il y faudra mettre aussi une trompette marine. La trompette marine est un instrument qui me plaît et qui est harmonieux. Laissez-nous gouverner les choses. Enfin, au moins, n'oubliez pas tantôt de m'envoyer des musiciens pour chanter à table. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et surtout que le ballet soit beau. Vous en serez content. Et entre autres, de certains menuets que vous y verrez. Enfin, les menuets sont ma danse. Je veux que vous me les voyez danser. Allons, mon maître. En quatre temps. La jambe droite, la, ne remuez point tant les épaules, la, vos deux bras sont estropiés, la, haussez la tête, tournez la pointe du pied en dehors, en dehors. Dressez votre corps. Voilà.
Voilà qui est le mieux du monde. Et à propos, apprenez-moi comment il faut faire une révérence pour saluer une marquise. J'en aurai besoin tantôt. Révérence pour saluer une marquise? Oui, une marquise qui s'appelle Dorimène. Donnez-moi la main. Non, 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 vous n'avez qu'à faire, je la retiendrai bien. Un chapeau, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il faut faire d'abord une révérence en arrière, puis avancer vers elle avec trois révérences en avant, et à la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. Ah. Faites un peu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf. À vous. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Monsieur, voilà votre maître d'armes qui est là. Oh. Je veux que vous me voyez faire. Nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous a une douce rente que ce monsieur Jourdain... Avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête, et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Il les connaît mal, mais il les paye bien. Et c'est de quoi maintenant nos arts ont plus besoin que toute autre chose. Pour moi, je l'avoue, je me repais un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots. Il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art. Oui, la récompense la plus agréable que l'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir caresser d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paye mieux que cela de toutes nos fatigues. Et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. J'en demeure d'accord et je les goûte tout comme vous. Il n'y a rien, assurément, qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges tout pures ne mettent point un homme à son aise. Il faut mêler du solide. Et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites. Non, qui parle à tort et à travers de toutes choses. Et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Ses louanges sont monnayées. Et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux, comme vous voyez, que le grand seigneur éclairé qui nous introduit ici. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Vous recevez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne. Assurément, je n'en fais point tout mon bonheur. Je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelques bons goûts des choses. Je le voudrais aussi. C'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais en tout cas, il nous donne les moyens de nous faire connaître dans le monde. Et il paiera pour les autres ce que les autres n'auront pour lui. Allons, messieurs. La révérence. Votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche. Les jambes pointant écartées, vos pieds sur une même ligne. Votre poignet à l'opposite de votre hanche, la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule. Le bras pas tout à fait si étendu. Main gauche à la hauteur de l'œil, l'épaule gauche plus cartée, la tête droite, le regard assuré. Avancez le corps ferme, touchez-moi l'épée de carte et achevez de même. Une, deux, remettez-vous. Redoublez le pied ferme. Une, deux, un saut en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. Une, deux, remettez-vous. Redoublez le pied ferme, un saut en arrière. Une, deux. Ah, on garde, monsieur, on garde, on garde, on garde. On garde. Vous faites des merveilles. Je vous l'ai déjà dit, tout le secret des armes ne consiste qu'en deux choses. À donner et à ne point recevoir. Comme je vous fis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps. Ce qui ne dépend seulement que d'un petit mouvement du poignet, ou en dedans ou en dehors. De cette façon donc, un homme sans avoir de cœur est sûr de tuer son homme, et de n'être point tué. Et sans doute. N'invitez-vous pas la démonstration? Ah oui. Et c'est encore l'on voit de quelle considération nous autres, nous devons être dans un état. Combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique... Tout beau, monsieur le maître d'art, ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens de vouloir comparer vos sciences à la mienne. Vous voyez un peu l'homme d'importance.
Voilà un plaisant animal avec son plastron. Mon petit maître à danser, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. Ah, monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Mais êtes-vous fou de la lécureller, lui qui entend la tierce et la carte, et qui sait tuer un homme par raison démonstrative? Je me moque de sa raison démonstrative, et de sa tierce, et de sa carte. Tout doux, vous dites. Comment, petit impertinent? Non, mais mon maître d'armes. Comment, grand cheval de carrosse? Non, mais mon maître à danser. Je me jette sur vous. Ah, je mets sur vous la main. Ah, tout beau. Je vous étrirai d'un air. De grâce. Je vous rosserai d'une manière. Je vous prie. Laissez-nous un peu lui apprendre à parler. Mais mon Dieu, mais arrêtez-vous. Voilà, voilà, monsieur philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, messieurs? Mais ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures et en vouloir venir aux mains. Et quoi, messieurs? Faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait de l'homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment, monsieur, il vient nous dire des injures à toute heure en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession? Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Ils ont tous de l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. Faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de vaine gloire et de condition que les hommes doivent discuter entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Je souligne que la danse est une science à laquelle on peut faire assez d'honneur. Et moi, que la musique en est une que tous les siècles ont révérée. Et moi, je leur soutiens tous deux que la science de tirer des armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinents de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable, de gladiateur, de chanteur et de baladin. Allez, philosophe de chien! Allez, bélitre de pédant! Allez, cuistre kiffé! Comment marrant que vous êtes! Allez, 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 monsieur le philosophe! Infâme! Coquin! Insolent! Monsieur le philosophe! L'animal! Monsieur! Impudent! Monsieur le philosophe! Messieurs! Scélérat! Non, monsieur le philosophe! Je m'appelle Albaté! Messieurs! Diable! Pertinent! Messieurs! Méchable! Monsieur le philosophe! Messieurs! Monsieur le philosophe! Monsieur le philosophe! Messieurs! Oh, battez-vous, toi qui vous plaira! Je n'y saurais que faire! J'irai pas gâter ma robe pour vous séparer! Oh, je suis bien fou d'aller me fourrer parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. Hein. Venons à notre leçon. Oh, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses, et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Et sans cela, que voulez-vous apprendre? À tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. J'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas bien fait l'étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela et vous savez le latin sans doute. Oui. Mais faites comme si je ne le savais pas et expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ce latin-là a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oui, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Et qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde, de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, c'est la reine T d'Harry Ferriot, par Lipton, etc. Oh, voilà des mots trop rébarbatifs. Moi, cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions. Allez, laissons cela. Ah non, moi, je suis bilieux comme tous les diables. Il n'y a morale qui tienne, je me veux mettre en colère. Tout mon sou quand il m'en prend envie.
Est-ce la physique que vous voulez apprendre ? Mais qu'est-ce qu'elle chante, cette physique ? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature, des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux. Et qui nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Mais il y a trop de tintamarre là-dedans, il y a trop de brouillamini, hein. Que voulez-vous donc que je vous apprenne ? Mais apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Et après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette manière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses par une connaissance exacte de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles, ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix se forme en ouvrant fort la bouche. Ah ! Ah ! Ah ! Ah oui. La voix se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais ma foi, oui. Que cela est beau. Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires, en écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. Ah ! I ! A-E-I-I-I-I-I. Non, cela est vrai, vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et en rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O O O. Non, mais il n'y a rien de plus juste. A-E-I-O. Ah bah, cela est admirable. I-O-I-O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. O O. Oh, vous avez raison. Oh, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les rejoindre entièrement, allongeant les lèvres dehors, les approchant ainsi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U, U, U. Il n'y a rien de plus véritable. Hein. U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U. Oui, oui, ça, cela est vrai. Ah, là, là, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela. Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci ? Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Da. Da, oui. Ah, les belles choses, les belles choses. L'F, en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa. Fa. C'est la vérité. Ah, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Et l'air, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra. 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 Ah, mais cela est vrai, l'habile homme que vous êtes et que j'ai perdu de temps. Ra. 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 Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie, au reste. Il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Mais, cela sera galant, oui. Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire ? Non, pas un point de vers, non. Vous ne voulez que de la prose ? Non, non, ni prose ni vers. Déjà. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi ? Par la raison, monsieur, que pour s'exprimer, il n'y a que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Comme l'on parle, qu'est-ce donc que cela ? De la prose. Quoi ? Quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit », c'est de la prose. Oui, monsieur. Oh, ma foi, voilà plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Ah, je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Donc, je voudrais lui mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis de manière galante, que cela fût tourné gentiment. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle les violences d'un... Non, je ne veux point de tout cela. Non, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, je ne veux que ces mots-là, dans le billet.
mais tourné à la mode, mais bien arrangé comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre premièrement comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font, vos yeux beaux, mourir, belle marquise, d'amour. Oui, de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ah! Cependant, je n'ai point étudié, j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Comment, mon habit n'est point encore arrivé? Non, monsieur. Ah, oh, ce maudit tailleur. Fais bien attendre pour un jour, j'ai tant d'affaires. Et j'enrage. Que la fièvre cartaine puisse serrer bien fort le bourreau du tailleur. Au diable, le tailleur, que la peste étouffe, le tailleur. Si je le tenais là maintenant, ce tailleur détestable. Ce chien de tailleur, ce traître de tailleur. Allez, allez, plus vite, plus vite. Ah, vous voilà. Je m'allais mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt, et j'ai mis 20 garçons après votre habit. Ah oui, vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre. Et il y a 2 mailles de rompues. Ils ne s'allergeront que trop. Ah bah oui, ça, si je romps toujours des mailles. Et vous m'avez fait faire aussi des souliers qui me blessent furieusement. Point du tout, monsieur. Mais comment point du tout? Non, ils ne vous blessent pas. Mais je vous dis qu'ils me blessent, moi. Vous imaginez cela? Mais je m'imagine parce que je le sens. Vous voyez la belle raison. Tenez, voilà le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Et je le donne en 6 coups aux tailleurs les plus éclairés. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis les fleurs en bas? Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en haut. Bah, est-ce qu'il faut dire cela? Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Ah, les personnes de qualité portent les fleurs en bas? Oui, monsieur. Oui. Voilà qui est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non. Vous n'avez qu'à dire. Non, mais j'avais bien fait, vous dis-je. Croyez-vous que mon habit m'aille bien? Belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une ringrave, est le plus grand génie du monde. Hein? Et un autre qui, pour assembler un pourpoint, est le héros de notre temps. Oui, mais la perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Oh, monsieur le tailleur, mais... Voilà de mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait, je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'ai voulu lever un habit pour moi. Oui, bah, il fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-le-moi. Attendez, cela ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence. Et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Hola! Mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité. Ah! Au garçon quelque chose pour boire. Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme. Mon gentilhomme. Voilà ce que c'est que de se mettre en personne de qualité. Non. Allez-vous-en toujours, demeurez habillé en bourgeois et on ne vous dira point mon gentilhomme. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Oh, monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur. Monseigneur. Mais attendez, mon ami, si monseigneur mérite quelque chose. Et monseigneur n'est pas une petite parole. Tenez, voilà ce que monseigneur vous donne. Oh, monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur. Votre grandeur. Attendez, nous en avons point.
votre grandeur à moi. Ma foi, s'il va jusqu'à l'altesse, il aura toute la bourse. Tenez, voilà pour ma grandeur. Oh, monseigneur, nous la remercions très humblement de ses libéralités. Il a bien fait. Je lui allais tout donner. Suivez-moi afin que j'aille un peu montrer mon avis par la ville. Et surtout, ayez soin tous deux de marcher immédiatement sur mes pas afin qu'on voit bien que vous êtes à moi. Oui, monsieur. Nicole ? L'est-il ? Oui, écoutez. Qu'as-tu à rire ? Non, mais que... Que veut dire cette coquine-là ? Comme vous voilà parti, hein ? Comment donc ? Quelle friponne est-ce là ? Te moques-tu de moi ? Nelly, monsieur, j'en serais bien fâchée ! Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage ! Monsieur, je ne peux pas m'en empêcher ! T'arrêteras pas ! Je vous demande pardon. Mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Vous voyez qu'il est insolent. Vous êtes là, fait drôle comme cela. Je ferai de l'excuser. Si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Eh bien, monsieur, voilà qui est fait, je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Il faut pour tantôt que tu nettoies... Il faut que tu nettoies comme il faut. Il faut, te dis-je, que tu nettoies la salle. Allez, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire tout mon sou, cela me fera plus de bien. Rage. À toute grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire. Encore, mais si je te prends. Je crèverai si je ne ris. J'avais vu une bandade comme celle-là qui me rit insolemment au nez, au lieu de recevoir mes ordres. Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. À part ma faute, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre océan que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde? Vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Voici une nouvelle histoire. Qu'est-ce donc, mon mari, que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde de vous être fait enharnacher de la sorte? Oh. Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que les sots et les sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Vraiment? On n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Hein? Et quel est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On dirait c'est en carême prenant tous les jours. Et dès le matin, de peur d'y manquer, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs dont notre voisinage se trouve incommodé. Madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui viennent chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la porter ici. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents, à frotter les planchers que vos beaux maîtres viennent crotter régulièrement tous les jours. Et notre servante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison. Et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pied ébranler toute la maison. Taisez-vous, ma servante et ma femme. Vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Mais taisez-vous, vous dis-je! Vous êtes deux ignorantes, l'une et l'autre, et vous ne savez pas les privilèges de tout cela. Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille, qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Et je veux songer aussi à apprendre les belles choses. J'ai encore lui dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui, pour renfort de potage, un maître de philosophie. Mais fort bien!
Je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi des honnêtes gens. Et n'irez-vous pas l'un de ces jours au collège, vous faire donner le fouet à votre âge? Pourquoi non? Plût à Dieu de l'avoir tout à l'heure, le fouet, devant tout le monde, et savoir ce qu'on apprend au collège. Oui, ma foi, cela vous rendrait la jambe bien mieux faite. Sans doute. Et tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément. Mais vous parlez comme deux bêtes, j'ai honte de votre ignorance. Tenez, par exemple, savez-vous ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, et je sais que ce que je dis est fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Non, mais je ne parle pas de ça, je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ah, ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite ne l'est guère. Non, je ne parle pas de ça, vous dis-je. Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je dis ici. Qu'est-ce que c'est? Des chansons? Non, ce n'est pas cela, non. Non, ce que nous disons tous les deux, le langage que nous parlons à cette heure. Eh bien. Mais comment est-ce que cela s'appelle? Ça s'appelle comme on veut l'appeler. C'est de la prose, ignorante. De la prose. Oui, tout ce qui est prose n'est point vers, et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Et voilà ce que c'est que d'étudier. Et toi, sais-tu bien comme il faut faire pour dire « u » ? Comment ? Mais qu'est-ce que tu fais quand tu dis « u » ? Quoi ? Non, dis un peu « u » pour voir. Eh bien, « u ». Qu'est-ce que tu fais ? Je dis « u ». Oui, mais quand tu dis « u », qu'est-ce que tu fais ? Je fais ce que vous me dites. L'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes, hein. Tu allonges les lèvres en dehors et approches la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. « U », vois-tu ? « U », vois-tu ? Je fais la moue. « U ». Cela est bio. Voilà qui est admirable. Et c'est bien autre chose. Si vous aviez pu voir « O » et « Da », « Da » et « Fa », « Fa ». Mais qu'est-ce donc que tout ce galimatia-là ? De quoi est-ce que tout cela guérit ? J'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leurs fariboles. Surtout ce grand escogriffe de maître d'armes, qui remplit de poussière tout mon ménage. Non, mais oui, ouais, ce maître d'armes vous tient bien au cœur. Et je veux te faire voir ton impertinence tout à l'heure. Tiens ! Raison démonstrative. La ligne du corps. Hein? Quand on pousse en quart, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Cela n'est-il pas beau d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un ? Tiens, pousse-moi un peu pour voir. Pousse-moi ! Ah ! Non, mais ah ! Doucement, tout beau ! Diantre soit la coquine ! Bah, vous me dites de pousser ! Oui, mais tu me pousses en tierce avant que de pousser en quart et tu n'as pas la patience que je pars. Alors... Vous êtes fou, mon mari, avec vos fantaisies ! Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Et lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon intelligence. Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Ah ça non, vraiment. Il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles. Et vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte dont vous vous êtes embéguiné. Paix ! Songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui ? C'est un homme d'importance plus que vous ne pensez. C'est un seigneur que l'on respecte à la cour. Et qui parle au roi tout comme je vous parle. Et n'est-ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable ? Que l'on voit venir chez moi si souvent un homme de cette qualité qui m'appelle son cher ami. Et qui me traite comme si j'étais son égal. Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais. Et devant tout le monde me fait des caresses dont je suis moi-même confus. Oui, il a des bontés pour vous et vous fait des caresses. Mais il vous emprunte votre argent. Taisez-vous, le voici. Et ne m'est-ce pas de l'honneur de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là? Et puis-je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Oh, des choses. Dont on serait étonné si on les savait. Et quoi ? Vaste, je ne puis point m'expliquer. Il suffit que, si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien avant qu'il soit peu. Oui, attendez-vous à cela. Mais, assurément, ne m'a-t-il pas dit. Oui, oui. Il ne manquera pas d'y faillir. Il m'a juré sa foi de gentilhomme. Chanson ! Oh, ma femme, vous êtes bien obstinée. Je vous dis qu'il me tiendra parole, j'en suis sûr. Eh bien, moi, je vous jure que non. Et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont que pour vous enjôler. Peut-être vient-il encore vous faire quelque emprunt. Il me semble que j'ai dîné quand je le vois. Taisez-vous ! Mon cher ami, monsieur Jourdain, comment vous portez-vous ?
fort bien, monsieur, pour vous rendre mes petits services. Et madame Jourdain, que voilà. Comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment? Monsieur Jourdain, vous voilà le plus propre du monde. Vous voyez? Vous avez tout à fait bon air avec cet habit. Et nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. Ah! Ah! Il le gratte par où il se démange. Tournez-vous. Ouais. Cela est tout à fait galant. Oui. Aussi saut par derrière que par devant. Ma foi, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites dans la chambre du roi. Allons, mettez. Ah, oh, monsieur, je sais le respect que je vous dois. Mon Dieu, mettez, point de cérémonie entre nous, je vous prie. Monsieur. Mettez, vous dis-je, monsieur Jourdain. Vous êtes mon ami. Monsieur, je suis votre serviteur. Je ne me couvrirai point si vous ne vous couvrez. J'aime mieux être un civil qu'important. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Oui, nous ne le savons que trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions et m'avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément. Monsieur, vous vous moquez. Mais je sais rendre ce qu'on me prête et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. Monsieur, je n'en doute point. Je veux sortir d'affaires avec vous et je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Voyez, ma femme, votre impertinence. Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis. Je vous le disais bien. Voyons un peu ce que je vous dois. Vous voilà avec vos soupçons ridicules. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Je crois, oui. J'en ai fait un petit mémoire. Le voici. Et donnez à vous une fois 200 louis. Cela est vrai. Une autre fois 620. Oui. Et une autre fois 140. Vous avez raison. Oui, ces trois articles font 460 louis qui valent 5060 livres. Le compte est fort bon. 5060 livres. 1832 livres à votre plumassier. Justement. 2780 livres à votre tailleur. Il est vrai. 4379 livres 12 sols et 8 deniers à votre marchand. Fort bien, 12 sols, 8 deniers, le compte est juste. Et 1748 livres 7 sols, 4 deniers à votre cellier. Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait? Somme totale, 15 800 livres. Somme totale est juste. 15 800 livres. Mettez encore 200 pistoles que vous m'allez donner, cela fera justement 18 000 francs que je vous paierai au premier jour. Eh bien, ne l'avais-je pas bien deviné? Paix! Cela vous incommodera-t-il de me donner ce que je vous dis? Eh non. Cet homme-là fait de vous une vache à lait. Taisez-vous. Vous n'avez qu'à me le dire, si cela vous embarrasse, j'en irai chercher ailleurs. Non, monsieur. Il ne sera pas content qu'il ne vous ait ruiné. Taisez-vous, vous dis-je. Vous n'avez qu'à me le dire, si cela vous embarrasse. Oh, point, monsieur. C'est un vrai enjôleux. Taisez-vous. Il vous sucera jusqu'au dernier sou. Mais vous tirez-vous. J'ai force gens qui m'en prêteraient avec joie, mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si j'en allais demander ailleurs. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Je m'en vais quérir votre affaire. Quoi? Vous allez encore lui donner cela? Mais que faire? Voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-là, qui a parlé ce matin de moi dans la chambre du roi? Allez, vous êtes une vraie dupe! Vous me semblez toute mélancolique. Qu'avez-vous, madame Jourdain? J'ai la tête plus grosse que le poing, et pourtant elle n'est pas enflée. Mademoiselle, votre fille, où est-elle que je ne la vois point? Mademoiselle, ma fille est bien où elle est. Comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Ne voulez-vous point de ces jours venir voir avec elle le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi? Vraiment? Nous avons fort envie de rire. Fort envie de rire, nous avons. Je pense, madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge, belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Très dame, monsieur. Est-ce que madame Jourdain est décrépite? Et la tête lui grouille-t-elle déjà? Ma foi, madame Jourdain, je vous demande pardon. Je ne songeais pas que vous êtes jeune et je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence. Voilà 200 louis bien comptés.
Je vous assure, monsieur Jourdain, que je suis tout à vous et je brûle de vous rendre service à la cour. Oh, je vous suis trop obligé. Si madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Oh, madame Jourdain vous baise les mains. Notre belle marquise, comme je vous ai mandé par mon billet, viendra tantôt ici pour le repas. Je lui fais consentir enfin au divertissement que vous lui voulez donner. Retirons-nous un peu plus loin pour causer. Il y a 8 jours que je ne vous ai vu et je ne vous ai point donné de nouvelles du diamant que vous me mites entre les mains pour lui en faire présent de votre part, mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule et ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Mais comment l'a-t-elle trouvé ? Merveilleux. Et je me trompe fort où la beauté de ce diamant fera pour vous sur son esprit un effet admirable. Oh, plutôt si. Quand il est une fois avec lui, il ne peut le quitter. Je lui ai fait valoir comme il faut la richesse de ce présent et la grandeur de votre amour. Ah, ce sont là des bontés qui m'accablent. Je suis dans la confusion la plus grande du monde. De voir un homme de votre qualité, ça s'abaisser pour moi, ce que vous faites. Vous moquez-vous? Est-ce qu'entre amis, on s'arrête à ces sortes de scrupules? Et ne feriez-vous pas pour moi la même chose si l'occasion s'en offrait? Oh, assurément, et de très grand cœur. Sa présence me pèse sur les épaules. Pour moi, je ne regarde rien quand il faut servir un ami. Et lorsque vous me fîtes confidence de l'ardeur que vous aviez prise pour cette marquise, agréable, chez qui j'avais commerce, vous vîtes que d'abord je m'offris de moi-même à servir votre amour. Il est vrai, ce sont des bontés qui me confondent. Est-ce qu'il ne s'en ira point ? Ils se trouvent bien ensemble. Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles, et vos fréquentes sérénades, et vos bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part. Et cette fête que vous lui avez préparée. Tout cela lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même. Il n'y a point de dépense que je ne fis si par là je pouvais trouver le chemin de son cœur. Ah non, mais une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants et c'est un honneur que j'achèterai le prix de toute chose. Que peuvent-ils t'en dire ensemble? Va-t'en un peu tout doucement prêter l'oreille. Tantôt que vous jouirez à votre aise le plaisir de sa vue et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez sa sœur. Et il passera tout l'après-dîner. Vous avez fait prudemment et votre femme aurait pu nous embarrasser. J'ai donné pour vous l'ordre qu'il faut au cuisinier à toutes les choses qui sont nécessaires pour le divertissement. Il est de mon invention et pourvu que l'exécution puisse répondre à l'idée, je suis sûr qu'il sera trouvé. Oh ! Et voyez l'impertinent ! Non, sortons, s'il vous plaît. Madame, la curiosité m'a coûté quelque chose, mais je crois qu'il y a quelque anguille sous roche. Ils parlent de quelque affaire où ils ne veulent pas que vous soyez. Ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai conçu des soupçons de mon mari. Je suis la plus trompée du monde où il y a quelque amour en campagne et je travaille à découvrir ce que ce peut être. Mais songeons à ma fille. Tu sais l'amour que Cléon a pour elle. C'est un homme qui me revient. Je veux aider sa cour et lui donner Lucille, si je le puis. Oh, en vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentiments, car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas moins. Et je souhaiterais que notre mariage puisse se faire à l'ombre du leur. Va-t'en lui en parler de ma part et lui dire que tout à l'heure, ils me viennent trouver pour faire ensemble à mon mari la demande de ma fille. J'y cours, madame, avec joie. Oh, je ne pouvais pas recevoir une commission plus agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens. Une ambassadrice de joie et je viens... Retire-toi, perfide, et ne me viens point amuser avec tes traîtresses paroles. Mais ainsi que vous... Retire-toi, te dis-je. Et va-t'en dire de ce pas ton infidèle maîtresse qu'elle n'abusera de sa vie le trop simple Cléonte. Quelle caprice est-ce donc là ? Mon pauvre Coviel, dis-moi un peu ce que cela veut dire. Mon pauvre Coviel, petite scélérate.
Allons vite, ôte-toi de mes yeux, vilaine, et me laisse en repos. Quoi, tu reviens, toi? Ôte-toi de mes yeux, te dis-je, et ne me parle de ta vie. Ouais, quelle mouche les a piqués, tous deux. Allons de cette belle histoire informer ma maîtresse. Quoi? Traite un amant de la sorte? Un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants? C'est une chose épouvantable que ce qu'on nous fait à tous deux. Je fais voir pour une personne toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle. Je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je parle que d'elle. Je pense qu'à elle. Je ne fais des songes que d'elle. Je ne respire que par elle. Mon cœur vit tout en elle. Et voilà de tant d'amitié la digne récompense. Je suis deux jours sans la voir qui sont pour moi deux siècles effroyables. Je la rencontre par hasard. Mon cœur à cette vue se sent tout transporté. La joie éclate sur mon visage. Je vole avec ravissement vers elle. Et l'infidèle détourne de moi ses regards et passe brusquement, comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis les mêmes choses que vous. Peut-on rien voir d'égal qu'au viol à cette perfidie de l'ingrate Lucille? Et à celle, monsieur, de la pandarde de Nicole? Après tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœux que j'ai fait à ses charmes. Après tant d'assidus hommages, de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine. Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux. Tant de seaux d'eau que j'ai tirés au puits pour elle. Tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même. Tant de chaleur que j'ai souffert à tourner la broche à sa place. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. C'est une trahison à mériter 1000 soufflets. Ne t'avise point, je te prie, de ne me parler jamais pour elle. Moi, monsieur, n'ayez pas peur. Ne viens point m'excuser l'action de cette infidèle. Dieu m'en garde. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront de rien. Qui songe à cela? Je veux contre elle conserver mon ressentiment et rompre ensemble tout commerce. J'y consens. C'est monsieur le comte qui va chez elle, lui donne peut-être dans la vue. Et son esprit, je le vois bien se laisser éblouir à la qualité. Mais il me faut, pour mon honneur, prévenir l'éclat de son inconstance. Je veux faire autant de pas qu'elle au changement où je la vois courir, et ne lui laissez pas toute la gloire de me quitter. Fort bien dit. Et j'entre pour mon compte dans tous vos sentiments. Donne la main, mon dépit, et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Dis-moi, je t'en conjure, tout le mal que tu pourras. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable. Et marque-moi bien, pour m'en dégoûter, tous les défauts que tu peux voir en elle. Elle, monsieur? Voilà une belle mijaurée, une aguicheuse bien bâtie pour vous donner tant d'amour. Je ne lui vois rien que de très médiocre. Et vous trouverez 100 personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, elle a les yeux petits. Cela est vrai, elle a les yeux petits, oui. Mais elle les a pleins de feu. Les plus brillants, les plus perçants du monde et les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Ouais. Mais on y voit des grâces qu'on ne voit point aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs. Et la plus attrayante et la plus amoureuse du monde. Pour sa taille, elle n'est pas grande. Non. Mais elle est aisée et bien prise. Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi? J'aimerais mieux mourir. Et je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite. Pour moi, j'en étais toute scandalisée. Ce ne peut être, Nicole, que ce que je dis. C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante. En quoi je veux faire mieux voir la force de mon cœur, à la haïr, à la quitter, toute belle, toute pleine d'attrait, toute aimable que je la trouve. Je ne veux pas seulement lui parler. Je veux vous imiter. Qu'est-ce donc, Léonte, qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Oviel? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur te tient? Êtes-vous le muet, Léonce? As-tu perdu la parole, Coviel? Que voilà qui est scélérat. Cela est Judas. Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. On voit ce qu'on a fait. Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chèvre. On a deviné la blessure. N'est-il pas vrai, Léonce, que c'est là le sujet de votre dépit? Oui, perfide, ce l'est, puisqu'il faut parler. Et j'avoue dire que vous ne triompherez pas comme vous pensez de votre infidélité. Que je veux être le premier à rompre avec vous et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine sans doute à vaincre l'amour que j'ai pour vous. Cela me causera des chagrins, je souffrirai un temps. Mais j'en viendrai à bout. Et je me percerai plutôt le cœur que d'avoir la faiblesse de retourner à vous. Que si, que bi. Voilà bien du bruit pour rien. Je veux vous dire, Cléonte, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre abord. Non,
Je ne veux rien écouter. Je te veux apprendre la cause qui nous a fait passer si vite. Je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin... Non, vous dis-je. Apprends que... Non, traîtresse. Écoutez... Point d'affaire. Laisse-moi dire. Je suis sourd. Cléonte. Non. Coviel. Point. Arrêtez. Chanson. Entends-moi. Baguette. Un moment. Point du tout. Un peu de patience. Taratata. Deux paroles. Non, c'en est fait. Un mot. Plus de commerce. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée et faites ce qu'il vous plaira. Puisque tu fais comme cela, prends le tout comme tu voudras. Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Apprends-nous un peu cette histoire. Je ne veux plus, moi, te l'apprendre. Dites-moi. Non, je ne veux rien dire. Compte-moi. Non, je ne compte rien. De grâce. Non, vous dis-je. Par charité. Point d'affaire. Je vous en prie. Laissez-moi. Je t'en conjure. Ôte-toi de là. Lucille. Non. Nicole. Point. Au nom des dieux. Je ne veux pas. Parle-moi. Point du tout. Éclaircissez mes doutes. Je n'en ferai rien. Guéris-moi l'esprit. Non, il ne me plaît pas. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine et de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez ingrate pour la dernière fois. Et je vais loin de vous mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Mmh. Cléon, Coviel. Qu'est-il? Où allez-vous? Où je vous ai dit? Nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléonte. Oui, cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez. Oui, vous le voulez. Qui vous le dit? N'est-ce pas le vouloir que de ne vouloir pas éclaircir mes soupçons? Est-ce ma faute? Si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une fille, qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir. Voilà le secret de l'affaire. Ne me trompez-vous point, Lucille? Ne m'en donnes-tu point à garder? N'est rien de plus vrai. C'est la chose comme elle est. Nous rendrons-nous à cela? Ah, Lucille, qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser deux choses dans mon cœur. Que facilement se laisse persuader aux personnes qu'on aime. Qu'on est aisément amadoué par ces diantres d'animaux là. Cléonte! Je suis bien aise de vous voir. Et vous voilà tout à propos. Mon mari vient. Prenez vite votre temps pour lui demander Lucille en mariage. Oh, madame, que cette parole m'est douce et qu'elle flatte mes désirs. Pouvais-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse? Monsieur? Je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même. Et sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre en réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme. Qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître. Je suis né de parents sans doute qui ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service. Et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable. Mais avec tout cela, je ne veux point me donner un nom où d'autres à ma place croiraient pouvoir prétendre. Et je vous dirai franchement que je ne suis point gentil. Touchez-la, monsieur. Ma fille n'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Mais que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes nous autres de la côte de Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie. Voilà pas le coup de langue. Et votre père, n'était-il pas marchand aussi bien que le mien? La peste soit de la femme, elle n'y a jamais manqué. Alors si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Pour ce qui est du mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Ben, tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Et il vaut mieux pour elle un honnête homme riche et bien fait qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. Cela est vrai.
Nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand maladroit et le plus sot d'adec que j'ai jamais vu. Mais taisez-vous, impertinente! Vous vous fourrez toujours dans la conversation! J'ai dit bien assez pour ma fille. Je n'ai besoin que d'honneur. Je la veux faire marquise. Marquise? Oui, marquise. Hélas, Dieu m'en garde. C'est une chose que j'ai résolue. C'est une chose où moi, je ne consentirai point. Les alliances, avec plus grand que soi, sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point d'un gendre qui puisse à ma fille reprocher ses parents et qu'elle ait des enfants qui ont de m'appeler leur grand-maman. Et s'il fallait qu'elle me vînt visiter en équipage de grande dame et que, par mégarde, elle manquât à saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire sans bêtises. Voyez-vous, dirait-on, cette madame la marquise-là qui fait tant sa glorieuse, c'est la fille de monsieur Jourdain qui était trop heureuse étant petite de jouer à la madame avec nous. Mais elle n'a pas toujours été si prétentieuse que la voilà. Ses deux grands-pères vendaient du drap auprès de la porte Saint-Innocent. Ils ont amassé du bien à leurs enfants, qu'ils payent maintenant peut-être encore bien cher en l'autre monde. Et l'on ne devient guère si riche en étant honnête gens. Je ne veux point tous ces caquets. Et je veux en un mot un homme qui m'est obligation de ma fille. Et à qui je puisse dire, mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi. Voilà bien les sentiments d'un petit esprit, de toujours vouloir demeurer dans la bassesse. Alors ne me répliquez pas davantage. Hein. Ma fille sera marquise en dépit de tout le monde. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Cléante, ne perdez point courage encore. Vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. Mais que veux-tu ? J'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne saurait vaincre. Moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme cela? Ne voyez-vous pas qu'il est fou? Et vous coûtait-il quelque chose de vous accommoder à ses chimères? Tu as raison, mais je ne croyais pas qu'il fallait faire ses preuves de noblesse pour être gendre de monsieur Jourdain. De quoi ris-tu? D'une pensée qui me vient pour jouer notre homme. Et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Comment? L'idée est tout à fait plaisante. Mais quoi donc? Il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui convient le mieux du monde ici. Et que je prétends faire entrer dans une farce que je veux faire à notre ridicule. Tout cela sent un peu sa comédie, mais avec lui, on peut hasarder toute chose. Il n'y faut point chercher tant de façons, mais il est homme à y jouer son rôle à merveille, à donner aisément dans toutes les fariboles qu'on s'avisera de lui raconter. J'ai les acteurs, j'ai les habits tout prêts. Laissez-moi faire seulement. Apprends-moi. Je vais vous instruire de tout. Par la main voudrait voir monsieur. J'ai quelques ordres à donner, dis-leur que je vais venir tout à l'heure. Non, ils n'ont rien que les grands seigneurs à me reprocher. Belle marquise. Et moi je dis qu'il n'y a rien de plus beau que de hanter les grands seigneurs. Belle marquise. Avec eux, il n'y a qu'honneur et civilité. Belle marquise. Et je voudrais qu'ils m'en eût coûté deux doigts de la main et être né comte ou marquis. Belle marquise. Monsieur? Monsieur dit comme cela qu'il va venir ici tout à l'heure. Voilà qui est bien. Je ne sais pas, Dorante, je fais encore ici une étrange démarche de me laisser amener par vous dans une maison où je ne connais personne. Quel lieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler, puisque pour fuir le scandale, vous ne voulez ni votre maison ni la mienne? Mais vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. J'ai beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance et vous avez une civile opiniâtreté qui me fait venir doucement à tout ce qui vous plaît. Les visites fréquentes ont commencé. Les déclarations sont venues ensuite, qui ont entraîné derrière elles les sérénades et les divertissements que les présents ont suivis. Je me suis opposée à tout cela. Mais vous ne vous rebutez point. Et pied à pied,
Vous gagnez mes résolutions. Pour moi, je ne puis plus répondre de rien, et je crois qu'à la fin, vous me ferez venir au mariage dont je me suis tant éloignée. Ma foi, madame, vous y devriez déjà être, vous êtes veuve, et ne dépendez que de vous. Je suis maître de moi et vous aime plus que ma vie. À quoi tient-il que dès aujourd'hui, vous ne fassiez tout mon bonheur ? Mon Dieu, Dorante, il faut des deux parts bien des qualités pour vivre heureusement ensemble. Et les deux plus raisonnables personnes au monde ont souvent peine à composer une union dont ils soient satisfaits. Vous vous moquez, madame, de vous y figurer tant de difficultés. Et l'expérience que vous avez faite ne conclut rien pour tous les autres. Enfin, j'en reviens toujours là. Les dépenses que je vous vois faire pour moi m'inquiètent par deux raisons. L'une, qu'elles m'engagent plus que je ne le voudrais. Et l'autre, que je suis sûre, sans vous déplaire, que vous ne les faites point, que vous ne vous incommodiez. Et je ne veux point cela. Non, madame, ce sont des bagatelles et ce n'est pas par là... Je sais ce que je dis. Et entre autres, le diamant que vous m'avez forcé à prendre est d'un prix. Mais madame, de grâce, ne faites point en valoir une chose que mon amour trouve indigne de vous. Voici le maître du logis. Un peu plus loin, madame. Comment ? Un pas, s'il vous plaît. Quoi donc ? Reculez un peu pour la troisième. Madame, Monsieur Jourdain sait son monde. Oh ! Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous ayez eu, la bonté de m'accorder la grâce, de me faire l'honneur d'être honoré de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite pour mériter un mérite comme le vôtre, et que le ciel, envieux de mon bien, m'eût accordé l'avantage de me voir digne... Monsieur Jourdain, en voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments, et elle sait que vous êtes homme d'esprit. C'est un bon bourgeois assez ridicule, comme vous le voyez, dans toutes ses manières. Il n'est pas mal aisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. C'est trop d'honneur que vous me faites. Galant homme, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Oh, je n'ai encore rien fait, madame, pour mériter cette grâce. Prenez bien garde au moins à ne lui point parler du diamant que vous lui avez donné. Mais ne pourrais-je pas seulement lui demander comment elle le trouve ? Comment ? Gardez-vous-en bien. Cela serait vilain à vous. Et pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce présent. Madame, Monsieur Jourdain dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Oh, il m'honore beaucoup. Ah, que je vous suis obligé, monsieur, de lui parler ainsi pour moi. J'ai eu une peine effroyable à la faire venir ici. Je ne sais quelle grâce vous en rendre. Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. Oh, c'est bien de la grâce qu'il me fait. Madame, c'est vous qui faites les grâces. Songeons à manger. Tout est prêt, monsieur. Ah. Allons donc nous mettre à table et qu'on fasse venir les musiciens. Comment, Dorante, mais voilà un repas tout à fait magnifique. Oh, madame, vous vous moquez. Je voudrais qu'il fût plus digne de vous être offert. Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte. Et il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné et que je n'ai pas sur cette matière les lumières de nos amis, vous n'avez pas ici un repas fort savant. Et vous y trouverez des incongruités de bonne chère et des barbarismes de bon goût. Si Damis, notre ami, s'en était mêlé, tout serait dans les règles. Il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition. Il ne manquerait pas de vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait et de vous faire tomber d'accord de sa haute capacité dans la science des bons morceaux. De vous parler d'un pain de rive à biseau doré, relevé de croûtes partout, croquant tendrement sous la dent, d'un carré de mouton gourmandé de persil, d'une perdrix relevée d'un fumet surprenant. Et pour son opéra, d'une soupe à bouillon perlé, soutenue d'un jeune gros dindon cantonné de pigeonneaux et couronné d'oignons blancs, marié avec la chicorée. Mais pour moi, je vous avoue mon ignorance, et comme Monsieur Jourdain a fort bien dit, je voudrais que le repas fût plus digne de vous être offert. Je ne réponds à ce compliment qu'en mangeant comme je fais. Oh, que voilà de belles mains. Les mains sont médiocres, Monsieur Jourdain, mais vous voulez sans doute parler du diamant, qui est fort beau.
Oh, moi, madame, non. Dieu me garde de vouloir en parler. Cela ne serait pas agir en galant homme. Et le diamant est fort peu de choses. Vous êtes bien écouté. Vous avez trop de bonté. Allons, qu'on donne du vin à Monsieur Jourdain et à ces messieurs et à ces dames qui nous feront la grâce de nous chanter un air à boire. C'est merveilleusement assaisonner la bonne chère que d'y mêler la musique. Et je me vois ici admirablement régalée. Madame, ce n'est pas... Monsieur Jourdain, prêtons silence à ces messieurs et à ces dames. Ce qu'ils nous diront vaudra mieux que tout ce que nous pourrions dire. Chers amis, buvons, le temps qui fuit nous y convie. Profitons de la vie autant que nous pouvons. Quand on a passé l'onde noire, adieu le bon vin, nos amours. Dépêchons-nous de boire. Dépêchons-nous de boire. On ne boit pas toujours. Si, du vin partout, du vin partout. Versez, garçons, versez toujours tant qu'on vous le dise assez. Versez toujours. Versez toujours tant qu'on vous dise assez. Versez toujours. Versez toujours tant qu'on vous dise assez. Je ne crois pas qu'on puisse mieux chanter. Et cela est tout à fait beau. Oh, je vois encore ici, madame, quelque chose de plus beau. Ouais. Monsieur Jourdain est galant plus que je ne le pensais. Oh, comment? Pour qui prenez-vous Monsieur Jourdain? Oh, je voudrais qu'elle me prie pour ce que je lui dirais. Encore? Vous ne le connaissez pas? Oh, elle me le connaîtra quand il lui plaira. J'abandonne. Il est homme qui a toujours la riposte en main. Mais vous ne voyez pas que Monsieur Jourdain, madame, mange tous les morceaux que vous avez touchés? Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Si je pouvais ravir votre cœur, je serais... Je trouve ici bonne compagnie. Je vois bien qu'on ne m'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur. Je viens de voir un théâtre là-bas. Je vois ici un banquet à faire noces. Voilà comme vous dépensez votre bien. Ainsi que vous festinez les dames en mon absence, que vous leur donnez la musique, la comédie, tandis que vous m'envoyez promener. Que voulez-vous dire, madame Jourdain? Et quelles fantaisies sont les vôtres d'aller vous mettre en tête que monsieur, votre mari, dépense son bien et que c'est lui qui donne ce régal à madame? Apprenez que c'est moi, je vous prie, qu'il ne fait seulement que me prêter sa maison et que vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites. Oui, impertinente. C'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame, qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Ce ne sont que chansons. Et je sais ce que je sais. Prenez, madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. Je n'ai que faire de lunettes, monsieur. Et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses. Et je ne suis pas une bête. Et cela est fort vilain à vous, pour un grand seigneur, de prêter la main comme vous le faites aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, ce n'est ni beau ni honnête à vous de mettre de la dissension dans un ménage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Que veut donc dire tout ceci? Allez, Dorande, vous vous moquez de m'exposer aux sottes visions de cette extravagante. Oh là, madame! Oh là, mais où courez-vous ainsi? Oh, madame, monsieur le comte! Voilà. Faites-lui excuse et tâchez de la ramener! Impertinente que vous êtes! Voilà de vos beaux faits! De me venir faire affront devant tout le monde et de chasser chez moi des personnes de qualité! Je me moque de leur qualité! Oh, je le sais qui me tient maudite! Je vous fende la tête avec les pièces du repas que vous venez de troubler! Je me moque de tout cela! Je défends mes droits! Et j'aurai pour moi toutes les femmes! Vous faites bien d'éviter ma colère! Oh, elle est arrivée là bien malheureusement. J'étais d'humeur à dire de jolies choses. Jamais je ne m'étais senti tant d'esprit!
qu'est-ce que c'est que cela? Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur, non. Je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi ? Oui. Vous étiez le plus bel enfant du monde et toutes les dames vous prenaient dans leurs bras pour vous baiser. Pour me baiser ? Oui. J'étais grand ami de feu monsieur votre père. De feu monsieur mon père ? Oui. C'était un fort honnête gentilhomme. Comment dites-vous ? Je dis que c'était un fort honnête gentilhomme. Mon père ? Oui. Vous l'avez fort connu ? Assurément. Et vous l'avez connu pour un gentilhomme ? Sans doute. Oh, je ne sais donc pas comment le monde est fait. Comment ? De sottes gens me veulent dire qu'il a été marchand. Lui ? Marchand, c'est pure médisance. Il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort serviable. Et comme il se connaissait fort bien en étoffe, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui, en donnait à ses amis pour de l'argent. Je suis ravi de vous connaître. Afin que vous rendiez ce témoignage-là, que mon père était gentilhomme. Je le soutiendrai devant tout le monde. Vous obligerez. Quel sujet vous amène ? Depuis avoir connu feu, monsieur votre père, honnête gentilhomme, comme je vous ai dit, j'ai voyagé par tout le monde. Par tout le monde ? Oui. Je pense qu'il y a bien loin, ce pays-là. Assurément. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours... Et par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Et quelle ? Vous savez que le fils du grand Turc est ici. Moi, non. Comment ? Il a un train tout à fait magnifique. Tout le monde le va voir. Et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance. Ah, bah, par ma foi, je ne savais pas cela. Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc. Oui. Et il veut être votre gendre. Mon gendre ? Le fils du grand Turc ? Le fils du grand Turc. Votre gendre. Comme je l'ai fait voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretâte avec moi et après quelques autres discours, il me dit « Atchem kreksoler uchala mustaf gidelou mamanahem varaini usere karbulat » C'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune, belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien. Le fils du grand Turc dit cela de moi ? Oui. Ah ! Comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille. Ah ! Me dit-il. Marhaba sahem. C'est-à-dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Marababa Saheb veut dire « Ah, que je suis amoureux d'elle ». Oui. Ah bah, par ma foi, vous faites bien de me le dire, parce que je n'aurais jamais cru que Marababa Saheb eût voulu dire « Ah, que je suis amoureux d'elle ». Bah, voilà une langue admirable que ce Turc... Plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire « Kakaraka Mouchen » ? « Kakaraka Mouchen » Non. C'est-à-dire « Ma chère âme ». Ah, « Kakaraka Mouchen » veut dire « Ma chère âme ». Oui. Ah, voilà qui est merveilleux, ça. Kakaraka Mouchen, ma chère âme. Ah, dirait-on jamais cela ? C'est voilà qui me confond. Hein. Enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Ah. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays. Mamamouchi ? Oui. Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Paladin, ce sont de ces anciens... Paladin, enfin, il n'y a rien de plus noble que cela dans le monde, et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Non, le fils du grand Turc m'honore beaucoup. Je vous prie de me mener chez lui pour lui faire mes remerciements. Comment ? Le voilà qui va venir ici. Il va venir ici ? Oui, et il amène toute chose pour la cérémonie de votre dignité. Voilà qui est bien prompt. Ah, son amour ne peut souffrir aucun retardement. Tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre.
Elle s'est mise dans la tête un certain Cléonte et jure de n'épouser personne d'autre que celui-là. Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand Turc. Et puis, il se rencontre ici une aventure merveilleuse, c'est que le fils du grand Turc ressemble à ce Cléonte. À peu de choses près, je viens de le voir, on me l'a montré. Et l'amour qu'elle a pour l'un pourra passer aisément à l'autre et... Emmenez-le-moi. Yordina salam aleiki. C'est-à-dire, Monsieur Jourdain, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Ce sont façons de parler obligeantes de ces pays-là. Je suis très humble serviteur de son Altesse turque. Tarigar Kamboto Ustin Moraf. Ustin Yok Katamaleki Basumbase Alamoran. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Son Altesse turque m'honore trop. Je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Osa bilamen sadok babali orakaf uram. Belmen. Il dit que vous alliez vite avec lui, vous préparer pour la cérémonie afin de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage. Tant de choses en deux mots. Oui, la langue turque est comme cela, elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite où il souhaite. Meta per giordina, mi pregar sera e mattina, vole far un paladina, de giordina. Dar turbanta e dar scarsina, con galera e brigantina, per defender Palestina. Par bon turca, Jourdina. Ouh, la baba la chou, balaba, balada.
non star furba. No! 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 Non star forfanta. No! 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 Donar turbanta. Donar turbanta. Ti star nobile. E non star fabola. Pigliar ciabolla. Dara, dara, bastonara. 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 Mamamouche. Et je ne crois pas que dans tout le monde, il soit possible de trouver encore un homme aussi fou que celui-là. Et puis, il faut tâcher, madame, de servir l'amour de Cléonte et d'appuyer toute sa mascarade. C'est un fort galant homme et qui mérite que l'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas et il est digne d'une bonne fortune. Outre cela, nous avons ici, madame, un balai qui nous revient et que nous ne devons pas laisser perdre. Et il faut bien voir si mon idée pourra réussir. J'ai vu là des attraits magnifiques et ce sont des choses dorantes que je ne puis plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions. Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. C'en est le vrai secret, et toutes ces choses finissent avec le mariage, comme vous savez. Oh, madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution ? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Et sans cela, je vois bien qu'avant qu'il fût peu, vous n'auriez pas un sou. Que j'ai d'obligation, madame, aux soins que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, aussi bien que mon cœur. Et vous en userez de la façon qu'il vous plaira. J'userai bien de tous les deux. Qu'est-ce que c'est donc que cela ? Quelle figure ! Est-ce un moment que vous allez porter ? Est-il temps d'aller en masque ? Parlez donc ! Qu'est-ce que c'est que ceci ? Qui vous a fagoté comme cela ? Ah, voyez l'impertinente de parler de la sorte à un mamamouchi. Comment donc ? Oui, il me faut porter respect maintenant, et l'on vient de me faire mamamouchi. Que voulez-vous dire avec votre mamamouchi ? Mamamouchi, vous dis-je, je suis mamamouchi. Mais quelle bête est-ce là ? Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Baladin ! Êtes-vous en âge de danser des ballets ? Non mais quelle ignorante, je dis paladin. C'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Mais quelle cérémonie donc ? Mahameta periordina. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Jordina, c'est-à-dire Jourdain. Eh bien, quoi Jourdain ? Voler phare, un paladina des Jordina. Comment ? D'Arthur Bantacon Galera. Mais qu'est-ce à dire, cela ? Per Defender, palestinien.
Mais que voulez-vous donc dire? Dara, Dara, Boston, Ara. Mais qu'est-ce donc que ce jargon-là? Non teneronta, questa star, l'ultima, affronta. Mais qu'est-ce donc que tout cela? Oula baba, bala chou, bala da, bala ba. Hélas, mon Dieu, mon mari est devenu fou. Oh, mais pire, cela emporte respect à monsieur le Mamamouchi. Avez-vous donc perdu l'esprit? Si votre homme, la figure en est admirable. Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand turc. Oh, je vous souhaite, monsieur, la force des serpents et la prudence des lions. J'ai été bien aise, monsieur, d'être des premières à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes montée. Oh, je vous souhaite, madame, toute l'année votre rosier fleuri. Et vous suis infiniment obligée de prendre part aux honneurs qui m'arrivent. Et j'ai beaucoup de joie à vous voir revenue ici pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. Oh, cela n'est rien. J'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux. Et il n'est pas étrange que la possession d'un homme tel que vous puisse inspirer quelque alarme. La possession de mon cœur est une chose qui vous est tout acquise. Oh, madame, vous voyez que Monsieur Jourdain n'est pas de ces gens que la prospérité aveugle. Et il sait dans sa gloire connaître encore ses amis. Oh, c'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Oh. Où est donc son Altesse turque que nous voudrions, comme vos amis, lui rendre nos devoirs? Ah, le voilà qui vient. J'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner la main. Monsieur, nous venons faire la révérence à votre Altesse et, comme ami de monsieur, votre beau-père, l'assurer de nos très humbles services. Ah, mais où est l'interprète? Non, mais pour lui dire qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites. Vous verrez comme il va répondre, il parle turc à merveille. Mais où diantre est-il allé? Strif, strouf, straf, strophe. Monsieur, monsieur est un grande, seigneur. Grande, seigneur. Grande, seigneur. Et madame, une granda dama. Granda dama. Hein? Oh, lui, monsieur, lui, Mamamouchi français. Et madame, Mamamouchi, française. Je ne peux pas parler plus clairement. Un peu que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité qui lui viennent faire la révérence comme mes amis et l'assurer de leur service. Vous verrez comme il va répondre. Alabala, crossiam, axiboram, alabamen. Kataleki, tubal, osin soter, amalusha. Voyez-vous? Il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille. Je vous le disais bien qu'il parle turc. Cela est admirable. Ah, venez, ma fille, approchez. Venez. Donnez votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment, mon père, comme vous voilà fait? C'est une comédie que vous jouez? Non, ce n'est pas une comédie. C'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père? Oui, à vous. Allons, vous dis-je, mais touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux point me marier. Ben, je le veux, moi, qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Que de bruit! Allons, vous dis-je ça, votre main! Non, mon père, je vous l'ai dit. Il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléonte. Et je me résoudrai plutôt... Il est vrai que vous êtes mon père. Je vous dois entière obéissance. C'est à vous de disposer de moi selon vos volontés. Ah, ben, je suis ravi de voir que vous reveniez si promptement à votre devoir. Voilà qui me plaît, d'avoir une fille obéissante. Comment donc? Qu'est-ce que c'est que ceci?
On me dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême prenant. Mais voulez-vous vous taire, impertinente? Il faut toujours que vous mêliez vos extravagances à toute chose. Il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage. Mmh. Et vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein? Et que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je veux marier notre fille avec le fils du Grand Turc. Le fils du Grand Turc? Oui, faites-lui faire vos compliments par l'interprète que voilà. Mais je n'ai que faire de l'interprète. Et je lui dirai bien même à son nez qu'il n'aura point ma Mais fille. Mais voulez-vous vous taire encore une fois? Comment, Madame Jourdain, vous vous opposez à un bonheur comme celui-là, vous refusez son Altesse turque pour gendre. Mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter. Madame, je vous prie aussi de ne vous point embarrasser de choses qui ne vous touchent pas. C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans vos avantages. Je me passerai bien de votre amitié. Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille consent à épouser un Turc. Sans doute. Elle ne peut oublier Cléonte. Que ne fait-on pas pour être grande dame? Mais je l'étranglerai de mes mains si elle avait fait un coup comme celui-là. Elle a bien du caquet, je vous dis que ce mariage-là se fera. Eh bien, moi, je vous dis qu'il ne se fera point. Que de bruit! Ma mère! Allez, vous êtes une coquine. Quoi? Vous la querellez de ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi aussi bien qu'à vous. Madame. Que voulez-vous compter, vous? Un mot. Je n'ai que faire de votre mot. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Je n'y consentirai point. Écoutez-moi seulement. Non. Écoutez-le. Je ne l'écouterai pas. Il vous dira. Je ne veux point qu'il ne me dise rien. Oh, voilà la grande obstination de femme. Cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Ne faites que m'écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira. Eh bien, quoi? Il y a une heure, madame, que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari? Que nous l'abusons sous ce déguisement? Et que c'est Cléonte lui-même qui est le fils du Grand Turc? Et moi, Coviel, qui suis l'interprète? Oh, mais comme cela, je me rends! Ne faites pas semblant de rien. Oui! Voilà qui est fait, je consens au mariage. Allons, tout le monde est raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter, mais je savais bien qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du Grand Turc. Il me l'a expliqué comme il faut, j'en suis satisfaite, et en voyant quérir un notaire. C'est fort bien dit. Et afin, Madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire, madame et moi, pour nous marier. Je consens aussi à cela. C'est pour lui faire croire. Il faut bien l'amuser avec cette feinte. Ah bon, mais qu'on aille vite quérir le notaire. Tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons notre balai et donnons-en le divertissement à son Altesse turque. Ah, cela est fort avisé. Allons prendre nos places. Mais et Nicole? Oui, moi je la donne à l'interprète. Et ma femme à qui la voudra. Monsieur, je vous remercie. Pas gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Voilà qui est admirable. Par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Madame, ce sont des bagatelles. Je ne veux point cela. Qui songe à cela? Comment? Est-ce ma faute? Mourir, belle marquise. Mais non! Allez, ministre fiefé! Comme un marron que vous êtes! Il en est un fou, Robin.